che nel cuore non trovi la pace, perché per te sei compiuta l'antica profezia di Isaia. Le pape François a demandé la fin des opérations militaires à Gaza dans sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la veille à la ville et au monde ce matin. Il a aussi dénoncé la situation humanitaire désespérée des Palestiniens dans l'enclave. Il a demandé qu'on ouvre la voie à l'arrivée de l'aide humanitaire. Il a dit entre autres que le regard et le cœur des chrétiens du monde entier sont tournés vers Bethléem, où règne la douleur et le silence. Dans son homélie hier soir, il avait déjà déploré le conflit qui a mené à l'annulation des célébrations de Noël à Bethléem. Sur le long terme, le pape a appelé à résoudre la question palestinienne à travers un dialogue sincère entre les parties. Et on revient justement sur ces célébrations au Vatican avec Alain Pronkin, qui est spécialiste des religions. Bonjour. Oui, bonjour Simon. Bien, tout d'abord, le pape François a consacré, on l'a vu, une bonne partie de sa bénédiction ce matin à la situation humanitaire désespérée. C'est les mots qu'il a employés à Gaza. C'est pas nécessairement surprenant, hein? Non, pas du tout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le pape, quand arrive la période de Noël, qui est la deuxième fête la plus importante chez les chrétiens parce que c'est la naissance de Jésus, va faire une trilogie. Le premier, il fait un discours à la curée romaine, qui est son gouvernement. Le deuxième, c'est son homélie lors de la messe de minuit qu'on a eue à minuit. Et, bien, à minuit, façon de parler, plutôt à 7h30, heure de Rome. Et finalement, la fameuse bénédiction Urbi et Orbi, où là, il est souvent très politique. On se souvient, dans les années dernières, il parlait de la guerre en Ukraine. Et le sujet qui est toujours, pratiquement toujours abordé, c'est la guerre. Et il a commencé aujourd'hui la bénédiction Urbi et Orbi, qui est une bénédiction qui donne juste à deux occasions dans l'année. À Noël et à Pâques, les deux plus grandes fêtes religieuses. Il dit, et ça c'est important, il commence en disant « Je porte dans mon cœur la douleur pour les victimes de l'odieuse attaque du 7 octobre dernier. Et je renouvelle un appel pressant pour la libération de ceux qui sont encore retenus en otage. » Il situe le conflit, cette attaque du 7 octobre. Et par la suite, et on a entendu Simon relater les paroles du pape, et là, il demande évidemment, je demande que cessent les opérations militaires, et il demande que la situation militaire désespérée, en ouvrant à l'arrivée de l'aide humanitaire, il veut que les portes ouvrent et que l'aide humanitaire puisse arriver, parce qu'il parle, il y a des milliers de personnes innocentes qui sont tuées, il parle, il va même jusqu'aux femmes enceintes qui sont tuées. Alors, c'est un message politique important. Il demande, et aussi à l'ensemble de la communauté internationale, de résoudre le conflit palestinien, de s'asseoir pour le régler. On sait que même au Vatican, on a reconnu l'autorité palestinienne. Dans le passé, Shimon Peres et le leader de la Palestine ont rencontré le pape, on a fait des prières. Pour le pape, c'est important. Et il faut rappeler une autre chose, Simon, c'est que Bethléem, qui est le lieu de la naissance de Jésus, est en territoire palestinien, est en Cisjordanie, c'est à 10 kilomètres au sud de Jérusalem, et c'est une ville qui est bouclée où il n'y a pas eu de cérémonie. Ben, il y a eu évidemment la messe de minuit, mais il n'y a rien eu, il n'y a pas de sapin, il n'y a aucune décoration. L'autorité palestinienne là-bas a dit, écoutez, on n'a pas d'argent pour le faire. Les catholiques ont dit, oui, ça va être excessivement sobre. C'est une ville qui est pratiquement fermée, il n'y a pas de tourisme actuellement. C'est un symbole fort quand même, il faut le dire. C'est un symbole fort. Les gens qui travaillent, je pense qu'il y a plusieurs milliers de travailleurs qui partent de Bethléem pour aller à Jérusalem travailler, ben, ils ne peuvent pas le faire. Il y a des contrôles partout. C'est vraiment une ville pratiquement morte actuellement. Et c'est une ville qui vit surtout de tourisme et évidemment des travailleurs qui vont en Israël. Donc, on a un symbole excessivement fort. Le pape en a parlé. Le pape est revenu en disant, quand Jésus est né, c'était, ça c'est plus dans son homélie d'hier soir ou de la messe de minuit, il dit, c'est l'apôtre de la paix. C'est quelqu'un qui est là pour parler de paix. C'est pas une autorité qui part du ciel pour descendre en bas et voici de la façon dont ça va se passer. Et il dit, ce symbole-là n'existe plus. Et il revient à tous les enfants qui ont été tués. Il dit, écoutez, c'est des Jésus qui sont là. Alors, il y a eu ce message-là extrêmement puissant. Et évidemment, il a demandé que cesse le commerce des armes. Il dit, le commerce des armes ne fait qu'augmenter. Et il parle de tous les conflits militaires. Il a aussi parlé des différents conflits qu'il y a en Afrique actuellement. Donc, il a fait le tour. Mais surtout, cette année, il a dénoncé avec force le conflit là-bas. Et pratiquement, on sentait, quand il donnait son discours,
de la non-volonté de résoudre. Il a d'ailleurs lui-même envoyé le cardinal Krajewski, qui est son aumônier, parce que le pape a son aumônier pour s'occuper des plus démunis de la terre. Lui, l'an dernier, il l'avait envoyé en Ukraine, il l'avait envoyé apporter des ambulances en Ukraine, et bien là, il l'a envoyé en Terre Sainte. Il a dit, va prier pour la paix avec ceux qui sont là. Alors le pape est constamment en discussion avec les différents les chrétiens qui sont sur la bande là-bas. Il appelle les religieuses qui tiennent, parce qu'il y a quand même quelques catholiques dans la bande de Gaza. Il les appelle, il sait qu'il y a des morts, il sait que la guerre est totalement impitoyable dans cette région-là du monde. On parlait d'une trilogie, évidemment. Bon, là, il y a eu la bénédiction ce matin, hier, la messe, mais il s'adresse également à sa haute administration dans l'Église. Oui. Et ça, c'est quand même important. Il a prononcé des mots quand même assez importants lors de cet événement-là. C'était jeudi. Il a parlé que son administration devait avoir l'humilité et être à l'écoute. Pourquoi il a lancé ce message-là? Parce que lui, il a toujours dénoncé le cléricalisme à l'intérieur de l'Église catholique. Et là, lui, il réalise, écoutez, on a, les gens appellent ça les conservateurs et ceux qui sont plus libéraux au sein de l'Église. Lui, il appelle ça ceux qui sont figés et ceux qui sont encore, ils ont l'amour, ils ont la passion de leur travail. Et ce qu'il reproche, c'est que on est sclérosé au Vatican, c'est du cléricalisme, et il le dénonce à chaque fois. Il a même parlé il y a quelques années qui c'était une maladie d'Alzheimer. Il a vraiment, à chaque année, à la Curie romaine, il leur dit, écoutez, ça va pas. Est-ce que vous êtes à l'écoute des gens? Est-ce que vous renouvelez d'une certaine façon vos vœux de charité, d'hospitalité, d'aide? Ou vous êtes figé puis vous voulez, dans le fond, rien changer? Puis on sait que ce message-là est important parce qu'il avait parlé en début de semaine de la bénédiction des couples de même sexe à l'intérieur, que lui l'approuvait. Et actuellement, on se rend compte qu'il y a des continents entiers, qu'il y a des évêques qui disent à leurs prêtres, non, vous ne ferez pas la bénédiction des couples de même sexe. Donc, il y a cette ouverture-là. Il demande aux gens, écoutez, l'amour, c'est ça. Il n'a pas dit directement, je sens la résistance vis-à-vis de cette bénédiction-là, mais on sait que ça, c'est un mouvement à l'intérieur de l'Église qui va soulever des débats au cours des prochaines semaines. Ça, c'est certain, c'est déjà commencé. Des paroles qui portent Alain Pronkin, spécialiste des religions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé. Joyeux Noël. Et joyeux Noël à toi aussi, Simon, et à tous nos auditeurs. À bientôt. Bye-bye. À bientôt.